et bienvenue au marché public de Shawinigan pour un autre duel de la compétition culinaire Le Goût de la Mauricie. Je suis Huguette Bongoût, votre dévouée hôtesse. Et je suis Chef Justine, la coach de nos compétiteurs. Nous en sommes aux demi-finales. Les défis se corsent et donc nos équipes doivent faire preuve de plus d'efficacité et de créativité en cuisine pour atteindre le banquet des gagnants. Justement, Chef Justine, peut-on en savoir un petit peu plus sur le banquet des gagnants? Eh oui, le banquet sera composé des 4 équipes qui devront cuisiner ensemble pour faire de quoi de vraiment très, très bon. Et ce sera sous la présidence d'honneur d'Isabelle Dupuis, la gagnante du concours MICO. De plus, il y aura le final coup de cœur où vous, cher public, serez invités à décider qui sera couronné le goût de la Mauricie. Je vous présente maintenant nos équipes. Sport et amour de la cuisine rassemble nos représentantes de l'équipe régionale de volleyball de l'Académie des Estacades. Léane et Marie-Pierre seront-elles mariées saveur et santé en attaquant la recette du jour? Parions que la discipline et l'organisation seront leurs atouts majeurs. Représentant la firme récréative Casa, Émile 8 ans et son père Jason, copropriétaire de l'entreprise, ont l'habitude de travailler de leurs mains. Entre les élevages de chiens, de chèvres, d'alpagas et de lapins, la petite famille est à mettre en place une forêt de comestibles. Voyons voir les surprises que nos deux gourmands nous réservent. Du côté des jaunes, nous avons Marie-Pierre et Léane! Salut! Salut! Allô! Donc, contente de vous retrouver ici aujourd'hui? Oui. Confiante? Oui, oui. Ouais, donc, les pâtes au fromage, vous connaissez ça? Oui. Ouais, vous êtes amateur? Oui. Ouais. Bon, bien, on vous souhaite bonne chance pour aujourd'hui. Merci. Et du côté des rouges, nous avons Émile et Jason. Bonjour, Émile. Je suis contente de te retrouver. Salut, bonjour. Jason. Donc, vous autres, le macaroni au fromage, c'est quelque chose que tu cuisines? Un peu. Un peu? T'aimes pas le fromage? OK, là, rassure-moi un peu, là. Dis-moi que ça va être vraiment excellent ce que tu vas faire. Ça va être super bon. Okay. Bon, on souhaite bonne chance. Merci. Maintenant, on va retrouver Huguette pour les consignes. Merci, Chef Justine. Aujourd'hui, les plats de nos participants seront évalués en fonction de leur goût, de leur présentation, de l'innovation apportée à la recette traditionnelle. Et comme toujours, quelques points sont accordés à la sécurité et à l'hygiène en cuisine. Pour évaluer ces plats, nous avons avec nous 3 juges aujourd'hui. Bonjour! Bonjour! Alors, de votre côté, nous avons Myriam Suzor Lamy, qui est arrivée de chez Yvan Dufromage, un marchand au marché public de Shawinigan. Vous nous apportez aujourd'hui l'ingrédient vedette du jour. Quel est-il? En fait, c'est le fromage fines herbes et ail. Ça peut donner un goût plus original à la recette d'aujourd'hui. Puis c'est pas mal ça. C'est un des plus populaires, en fait, de fromage qu'on tient à la fromagerie. Puis ça peut donner... peut-être un petit quelque chose. Ouais, exactement. Un petit plus. Voilà, et c'est un cheddar. Oui, cheddar doux. Parfait. Merci beaucoup. J'ai rejoint Mme Drouin, Marie-Pierre Drouin de la CDC. Oui, Corporation Développement Communautaire du Centre de la Mauricie. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Merci. Donc, qu'est-ce que vous faites à la CDC? Moi, je suis agente de développement. En fait, on regroupe une cinquantaine d'organismes communautaires locaux pour les soutenir dans leur mission, principalement. On leur offre une programmation d'activités variées pour leur permettre de réseauter, de se connaître. Ah, très intéressant. Et vous êtes là aujourd'hui pour remplacer là, à pied levé notre commanditaire du jour qui est l'hebdo du Saint-Maurice. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. J'enchaîne avec M. Dunlop. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef propriétaire aux Zélés. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, vous venez là et vous allez observer nos concurrents. J'aimerais vraiment savoir pour vous, c'est quoi les qualités les plus importantes qu'on doit avoir là, en cuisine, en compétition particulièrement? En compétition, oui. L'organisation. Si le poste est bien organisé, ça devrait bien aller. Si le plan est bien fait, si on a un bon plan de match. On a vu nos équipes là, préalablement là, commencer à ordonnancer leurs trucs et tout ça. Donc, on pense que ça devrait être gagnant de ce côté. Mais on va vous laisser, vous, les juges, l'évaluer. Alors que de notre côté, nous allons rejoindre Chef Justine en cuisine pour apprendre quelques trucs sur la recette du jour, le macaroni au gratin.
Bienvenue à la classe des maîtres. Aujourd'hui, le maître, ce n'est pas moi. C'est la compagnie d'électricité qui a fondé un livre qui s'appelle « Pour vous, mesdames » et qui a été écrit en 1940 ou 50, c'est pas clair. Donc, on va faire du macaroni au fromage au gratin. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que le macaroni au fromage, c'est un plat qui revient constamment dans les livres de 1860 à 1960, donc très populaire, OK? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Ici, c'est la façon la plus simple que j'ai jamais vue de toute ma vie. Alors, on prend du macaroni, c'est pas pire, hein? Du beurre, du fromage. Puis, pour faire cute, on va mettre un peu de chapelure. Alors, ce qu'ils disent, c'est dire de faire cuire une demi-livre de macaroni à l'eau salée, donc c'est fait. Quand il est cuit, on le passe à l'eau froide et on prend un plat creux allant au four et on place quelques petits morceaux de beurre, un peu de fromage râpé et une couche de macaroni. Alors, voici. Pas de quantité, on y va à l'œil. Et un peu de fromage râpé. Ici, c'est du cheddar, parce qu'on aime le cheddar au Québec. Et ensuite, on va mettre du macaroni. Du bon macaroni. Manoum. Ensuite de ça, on va remettre... Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ah! Un peu de sel et de poivre. Donc, on va prendre un peu de sel et de poivre. Et on va aussi mettre quelques petits morceaux de beurre bien parsemés sur le macaroni. Hein? Encore quelques morceaux de beurre. J'avais jamais pensé faire ça de même, mais c'est assez simple. Hein? N'importe qui peut faire ça, là, rendu là. Alors, du sel et du poivre. Sel et poivre. Et un peu de fromage. Hein? Ainsi de suite, lit par lit, jusqu'en haut du plat. OK. Là, ils disent pas la quantité. Hein? Fait que c'est amateur de macaroni ou amateur de fromage. C'est vous qui décidez. Et là, ils nous disent de terminer par du panko. Bon, c'est sûr, j'ai pas du panko 1960. OK. Il est pas très vintage, mon panko. C'est un panko. En fait, c'est ça l'affaire. C'est une chapelure panko qui est vraiment pas 1960. Mie de pain japonaise que tout le monde a maintenant à la maison. Et on enfourne. On va regarder si notre macaroni est bien doré, parce que c'est ça l'indication. Alors, si on regarde, nous avons un macaroni bien doré! Voilà! Hein? Nous sommes très heureux. Ça a l'air un petit peu baigné dans le gras, mais écoute, on va se risquer, on va regarder ce que ça dit. Je dirais que c'est le genre de macaroni pour un peu paresseux, mais ça, c'est mon point de vue. Alors, goûtons à cela. Hey, mais ça peut être très bon quand même, tu sais. Si mon enfant de 7 ans fait ça, je suis très fière. Voilà. Eh non, mais quand même. Regardez ça. Et là... On va voir si les compagnies d'électricité font du bon manger. Du beurre. Du macaroni et du fromage. C'est ce que ça goûte. Les torcherons brûleront-ils en cuisine? Ça reste à voir. Les duellistes devront préparer aujourd'hui 3 portions de pâte fraîche au fromage gratiné, et ce, en l'espace de 40 minutes. Duellistes, prêts? À vos couteaux! Et c'est parti! Donc, le défi aujourd'hui, ça va être la pâte. Puisque la pâte, elle est fraîche, nos deux équipes devront faire des pâtes avec ce pain. Donc, rouler ça, ça prend du bras, ça va être le pain. Donc, on a sur la table plusieurs types de fromages. On a les fromages bergerons. Donc, il y en a un qui est fumé, il y en a un au cumin, il y en a un sans lactose, il y en a un de chèvre, il y en a un classique, il y en a plusieurs variétés. On a aussi le fromage qui est disparu, mais qui se trouve à être celui-ci, qui est un fromage frais aux fines herbes. On a aussi du classique, là, mozzarella râpé. On a aussi la crème fraîche, la ricotta, la crème 35, des œufs, des fines herbes, des épices, de quoi s'amuser. Puis on a même mis du fromage jaune pour ceux qui auraient envie de reproduire un classique macaroni au fromage en boîte.
Alors, je laisse nos équipes se préparer, se faire un plan. Bon, je les laisse travailler un petit peu et je reviens les voir dans quelques instants pour voir où est-ce qu'ils en sont et s'ils n'ont pas besoin d'aide. Ouais, ça a des tâtes... Ça va être long. Ben, on va voir si ils sont inventifs. Ça prend... Le beurre farine, un peu comme quand tu fais une béchamel, là. Ça fait que ça ne soit pas trop gras. Parce que la chaleur va faire que le fromage va se séparer. Puis ça, c'est le temps de, ça avait l'air de son vidéo, là, que le fromage, le gras se sépare. T'sais. Mais aussi, on retrouve tellement plein de sortes de mac and cheese. Ben ouais. Aujourd'hui, là, il peut avoir la tellement d'affaires. Ben, comme on vient de voir, ils font ça avec panko, la délicieux. Viande et tout. Là, fait que... Est-ce que tu fais tes pâtes? Ça dépend pourquoi. Moi, j'ai, pour avoir un bon al dente, c'est mieux des pâtes secs. Ah, c'est dépend ce que tu peux avoir. Hein. La pâte fraîche, c'est pas le même. C'est vraiment dur. T'sais. Moi, quand on la fait au resto, on la fait plus faire des raviolis ou faire des pâtes farcies. Ok, d'après moi, c'est pas si peu de même. Moi, je pense, comme je disais, avec le fromage Schindler, ça va donner plus de saveur aussi par rapport à. Au bâtisse de macaroni au fromage, ça va faire un peu plus. Ouais, ah, c'est ça, c'est un bon kick. Ouais, mais l'autre, ça dépend aussi. Ça dépend s'ils ont des herbes fraîches aussi, fait que ça peut finir. Ouais, ça peut finir un peu de la même sorte, ouais. Ce serait original de les farcir comme des raviolis aussi, avec du fromage. Ça aurait pu être aussi. Il faut que ce soit un peu stressant parce que c'est les demi-finales. Ça ajoute vraiment une part de stress, là. Émile, il a l'air à s'y connaître, en tout cas. Bon. Les filles aussi ont l'air de... Ouais. Ils savent quoi faire. Ils sont organisés, ils savent ce qu'ils s'en vont. Elle a choisi un fromage bergeron, mais je sais pas si les deux goûts, tu sais, le fromage bergeron, des fois, ils ont des goûts plus... différents des autres. Je sais pas si ça va faire quand même bon avec le fines herbes aïe qu'ils ont mis. Il y en a, je pense, 6 choix de fromage par rapport à ça. Ça va bien qu'un laminoir, le rouleau, c'est une méchante job, puis qu'on, le compteur a l'air mou un peu. Fait que, là, ils se battent en tabarnouche. Eux, ils ont quand même l'air à être gros, les morceaux qui coupent. Ouais. Ça va faire des beaux petits morceaux. Ils vont être très farinés. Et en plus. Ouais. En tout cas, à date, pour eux, il va y avoir plusieurs goûts dans le macaroni avec toutes les herbes qu'ils prennent. Parce qu'il y a déjà environ 5 sortes d'herbes dans le fromage, les herbes et ail. Plus les herbes qu'il y a dans le fromage. Oui, plus les herbes. Comment ça se passe? C'est raide, hein? Et vous autres, comment ça se passe? C'est sportif? Oui. Il n'y a pas juste le sport qui est sportif. Ah non. Bon, génial. Ah ouais. On va-tu arriver à avoir 3 portions d'ici 25 minutes? Oui. Ah, je pense que oui. Oui? Comme nous autres, on a faim. On a hâte de goûter à ça, quand même. Hein? Ben, je vous laisse continuer. Et nous, on s'en va rejoindre Huguette pour la chronique livre. La recette de macaroni d'aujourd'hui est tirée du fascicule « Pour vous, madame », fascicule produit par la fonderie Liselet au début des années 50. Alors, à cette époque, que ce soit les fonderies, compagnies d'électricité comme la Shawinigan Water and Power, ont fait des fascicules pour accélérer l'acceptation des nouvelles technologies dans les cuisines. Les ménagères y retrouveront donc des recettes qui font déjà l'unanimité et qui seront là pour les soutenir dans la transformation de leur rôle. Es-tu prêt? En tout cas, il a l'air à savoir quoi faire. Ouais. C'est bon, il a l'air un peu de... Quand tu fais une béchamel, il faut toujours que tu mettes ton beurre à fondre, ta farine, puis si ton roux, ça, on appelle ça un roux, là, le mélange des deux, là. Si c'est chaud, il faut que ton liquide soit froid. Fait que, ben, sinon, ça fait des grumeaux. Fait que, je pense que c'est pas super, son affaire. À date, comme tu vois que la fille est en train de faire la sauce, est-ce que tu crois que ça va quand même bien ou tu peux avoir... On va savoir quand on va y goûter. Ah ouais. J'ai du sel. En tout cas, ça a l'air belle. En tout cas, ça brosse.
Il y a de l'attitude, puis il est à l'aise, là, Titi. Ben oui. Ça commence à vous dire. 15 minutes à faire. Je vais le faire pour toi, OK? OK, oui, tu peux le faire. Je vais mettre une de chèvre. Du classique, ça va bien avec le... C'est du paprika. Bien, c'est ce que je me demande. Oui. Je vais te faire de ça. Oui, les gars, ça fait vraiment longtemps que ça cuit. C'est le fromage frais qu'ils ont râpé. Ils ont fait des petites boules. Ben, puis deux minutes, les pâtes, ça, deux ou trois minutes, là, peut-être un peu plus épaisse, mais ça va être cuit sérieux. Fais attention, faut les casser. Oignons. Les oignons sont quand même gros par rapport à... Ouais. Ils sont cuits, par exemple. Ouais. Ça devient sucré, c'est bon. Deux oignons, quand c'est bien. Ça donne faim, en tout cas. Carrément. Oui. Ah, les pâtes ont quand même l'air bien. Yam! Ben ouais, c'est ça. C'est jaune, en plus. On a comme envie d'en manger. Hein? Ouais. Avez-vous vu quelle sauce qu'ils ont pris, eux autres, pour... Ils ont monté c'est une quoi béchamel. Pour faire la sauce? C'est comme la crème, le lait, puis... Ouais, puis de la farine. Ouais. Je pense que les deux ont fait un peu ça, là. J'ai moins vu. Les autres, en tout cas, ils ont pas mis d'épices comparé aux filles qui en ont mis. Ben, ils ont du bacon, mais c'est ça, ils ont des bacon et des oignons. Ouais. Fait que peut-être que ça va... Ouais, ça va donner encore du... Il faut aussi que ça soit beau, comme tout dans l'ensemble. Ben ouais, après, comment ils vont nous le présenter, sauf que là... Créativité, tu sais, ouais. Ce petit gars-là, quand même, il est impressionnant, c'est le fun. Ouais, ouais, vraiment. Oh. Déjà, en les pieds qu'on drop d'un pain, là. Mais oui. Ouais, mais là, tu fais mal. Yam. OK, ils ont mis dans le four, eux aussi. Ah, c'est ça, leur idée, là. Fait qu'ils ont fait leur gratiner avant. Avant, ouais. Wow. Ben, elles sont bonnes, là. C'est... OK, c'est leur, la sauce. C'est leur ouais, croûte de fromage. Tu le dessus, au lieu de l'envoyer au four à gratiner, on nous le servait super crémeux. Ah, leur sauce, ça cassera pas. Ils ont fait leur fromage en tuile, wow, comme ouais, ça, pour la gratiner. T'es à Barnouche, je l'ai fait. Ouais. Ça a du talent, cette petite fille. Ils vont même avoir le temps de tout laver leur surface de travail. Ah, ça fait beau aussi, comment ça donne. Ça fait pas chaud, mais on va se faire. Mais là, ils travaillent. Les réunions sont 4 minutes d'avance. Alors, vous semblez vraiment être très à l'aise, les amis. Alors, qui dit pâte dit Italie. Alors, on vous a choisi ici quelques ingrédients qui, nous l'espérons, feront une jolie salade d'accompagnement. Vous avez les 4 dernières minutes pour le faire. Je vous laisse ici. Bonne chance! C'est ce que je souhaite. On voit que c'est stressant. Ça commence à être stressant. Allez, on le passe. 1 minute et demie, ouais. La petite laitue légère. Salade, c'est simple. T'as pas besoin de faire grand chose. Ouais. Ça, un bon. Peu de feuillage. Je sais pas s'ils vont avoir le temps, eux autres. Ça va quand même, mais... 3 minutes! Ils n'ont pas le temps non plus de mettre ça dans les assiettes puis tout, là, fait que... Ben, c'est sûr qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, le père est là-dessus, là, si... Ça... Est-ce que tu veux préparer les petits bords? Oh, les assiettes. Oh. Ben, ça va être dur. 2 minutes! Quand tu sors à la portion, comme ça, c'est plus facile de faire quelque chose de beau. Et puis ça donne un plus beau, plus le ouais, c'est ça. Ça. Ça fait moins cafétéria. Je pense que c'est correct. On a une petite fille qui cuisine beaucoup, là. Je pense que oui, hein. Elle cuisine énormément, hein. Ça, elle a aucune hésitation. Son la blonde, ouais. Elle fait sa vinaigrette. Ça, c'est pas de l'inconnu, là. Non, ça a pas de l'air.
chose. Elle n'oublie pas de l'assaisonner. C'est quoi, ça? Pas du cumin, là. Il vous reste une minute pour tout mettre à l'assiette. À date, on peut voir par rapport à l'hygiène et sécurité que les filles ont eu. Ouais, j'ai enlevé quelques points au gars. Ouais. Aussi par rapport à l'aspect salaire. Ouais. Ouais, comme vous avez dit, plus organisé que l'autre. C'est le genre de goûter à ça, moi. C'est excitant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est terminé, on lâche tout! Wow! Bravo! Wow! Bravo! On vous a fait faire un petit sprint en dernier, hein? Alors, du côté des gens, expliquez-moi ce que vous avez fait. Ben dans le fond, on a fait des pâtes en long, là, style linguini. Après ça, on a fait une tulle de fromage aux fines herbes. Après ça, la sauce, c'est comme une sauce béchamel avec du fromage fer renard, du paprika, de la ciboulette. La salade, ben, c'est épinards, cocombes, radis, vinaigrette, huile, citron, fines herbes séchées. Avec, ça fait bon mieux. C'est ça. Puis sel, puis ça ressemble pas mal à ça. Wow! Ben bravo, c'est super beau! Merci! Je suis sûre que les juges vont très hâte de goûter à ça. Bravo! Et vous, de votre côté? Des pâtes au bacon. OK. Avec du fromage, une sauce béchamel. Oui. On a fait une salade. Oui. Avec du vinaigre, des concombres, des échalotes. Il y a des épinards, des radis. Wow! Ben bravo! C'est super beau, ça a l'air bon, ça sent bon aussi. On va laisser les juges aller goûter à ça. Et nous, entre-temps, on s'en va rejoindre Sandra Lacroix de l'Hebdo. Je suis présentement avec Sandra Lacroix, rédactrice en chef de l'Hebdo de Saint-Maurice. Bonjour, Sandra. Bonjour, Justine. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi aussi? Certain. Alors, parle-nous un peu de qu'est-ce que vous couvrez dans le journal. Nous, à l'Hebdo, on est une petite équipe, en fait. On est seulement trois journalistes. On couvre pratiquement tout ce qui est possible, en fait. On couvre l'actualité, les conférences de presse, les faits divers un peu. On essaie de couvrir les bons coups des entreprises, les bons coups des organismes d'ici, les sports un peu. On essaie de toucher à tout. OK. Puis comment ça fonctionne, les hebdos en Mauricie? Est-ce que vous êtes tous ensemble ou bien il y a des articles qui passent dans l'ensemble des journaux ou oui. Comment ça marche? En fait, oui, on est six journaux en Mauricie, maintenant avec l'Hebdo Mekinac des Genoux, le nouvellement, un petit nouveau dans la famille des hebdos. On est les six journaux, on travaille beaucoup en collaboration. S'il y a un sujet qui est un petit peu plus régional, s'il y a nos athlètes d'ici qui se démarquent, mais que ça peut toucher ailleurs, on partage beaucoup notre information, on travaille beaucoup en équipe tous ensemble dans la région. Donc, on est trois journalistes ici à Shawinigan. Par contre, dans la région, on en est 12 journalistes, une belle équipe. OK, oui. Bien, c'est super. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, mesdames, messieurs du jury, il y a eu de l'action en cuisine. Oui. J'aurais aimé ça avoir, monsieur Dunlop, votre premier avis là, sur ce que vous voyez sur la table puis comment les équipes s'en sont tirées en cuisine. Bien, les deux ont bien travaillé. Les filles m'ont vraiment impressionné. Ils travaillent vraiment bien, ils sont super ordonnés, ils sont bien organisés, ils sont partis en feu. Je me rappelle que c'était côté. D'ailleurs ce que vous vouliez regarder ouais. Là, en cuisine. Puis les deux ont eu leur tâche puis ont fait leur truc chacun tout le long. Là. C'était vraiment beau à voir. De l'autre côté aussi, c'est une autre organisation. L'âge du petit gars, c'est sûr que ça joue. Puis, tu sais, que son père, c'est une autre organisation, mais tu sais, ils ont fait vraiment de leur mieux puis ils ont bien fait tout ça. Mesdames, je vais vous demander le premier coup d'œil là, sur les assiettes. Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que ça a l'air vraiment bon, tout ça. Ça sent bon. Oui, ça sent bon. Mais oui. On n'a pas la télévision en odorama, non, là, mais quand même, il y a des faux arômes. La petite croûte, là, ça m'impressionne ouais, ça vraiment. Ça donne un peu plus de design à la nourriture, au plat, en fait. Puis, ben, ouais. On vous laisse délibérer parce que c'est beau de les voir en cuisine, de voir les plats, mais ce qu'on veut, ouais. C'est goûter.
De notre côté, nous allons à une courte pause. Merci à nos commanditaires IGA Extra Famille Barry pour les ingrédients non présents au marché, Meubles Jacob pour les électroménagers, Terre à miel pour les assiettes et le costumier de Chavigny qui habille fièrement Madame Huguette Bongo. Alors, on a de dures délibérations aujourd'hui. Oui. Donc, M. Dunlop, je vais vous demander vos impressions d'abord sur l'équipe des jaunes. Ben moi, les filles m'ont vraiment impressionné. Elles sont vraiment bonnes. Et vous avez super bien travaillé, vous avez été ordonnées, ça a été super bien coordonné. T'sais, les deux faisaient chacun sa job, puis ça partait, puis ça faisait ce que ça avait à faire. Moi, j'ai vraiment aimé ça, pouvoir travailler. Fait que, tu sais, en gros, c'est ça. OK. Est-ce qu'on a un petit point plus critique, quelque chose qui était peut-être moins réussi? Ben oui. En fait, les plats étaient un peu trop salés, les pâtes trop épaisses, la texture était plus dure. On comprend que ça a été dur pour les deux oui. équipes de ce côté-là. Oui, oui, oui. Mais tu sais, en général, là, c'était super bon. On a bien apprécié. Ouais. Parfait, on va aller du côté de l'équipe des Rouges. Oui. L'équipe des Rouges, l'organisation était un peu moins bonne, mais vous étiez vraiment beau à voir aller pareil. T'es impressionnant, toi. Tu travailles fort, tu prends tes décisions, puis c'est vraiment le fun d'avoir allé. Là. Puis, côté plat, l'assaisonnement était super bonne. Des deux côtés, la salade, on s'est vraiment régalé côté goût. Là. C'était vraiment délicieux. Parfait. Ouais. Est-ce qu'on a un petit quelque chose à ajouter? Bien, je pense que tu te dis qu'est-ce qu'on voulait dire par rapport à ça. Là, c'est... Ouais. Ouais, c'est ça. Je voulais mentionner la croûte qui était vraiment la présentation super. Ouais. C'était le point faible de l'équipe des Roses, le point fort de l'équipe des gens. L'équipe des Roses, le point fort a été le goût. Ouais. Okay, alors, ça s'est joué présentation, goût. On sent qu'il y a quand même une décision unanime qui se cache derrière tout ça. Là. Alors, le verdict. L'équipe des Rouges gagne. Félicitations à l'équipe des Rouges! Parce que le goût gagne tout le temps. Wow! Bravo! Êtes-vous content? Oui. Oui? Écoute, c'est impressionnant. Émile, tu as une future carrière, je pense, devant toi. Hein? Parce que là, on est rendu à 2 victoires quand même. Bravo! Félicitations! Merci. Hey, bravo les filles! Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir. Vous êtes vraiment compétitrices. Hey, on aime ça, c'est le fun. On sent que vous travaillez en équipe. C'est super beau ce que vous avez fait. Bravo, merci d'être venues. Puis on espère vous revoir l'année prochaine, ce serait le fun. Puis vous, je vous remets votre prix. Ça se trouve être, en fait, une demi-page dans l'hebdo pour annoncer votre entreprise. Oh, okay. Hein? C'est le fun hein, pour un démarrage d'entreprise. Ça, c'est une gracieuseté de l'hebdo. Duelliste, membre du jury, chef Justine et vous, téléspectateurs, merci de votre présence. Merci également à Nous TV Mauricie, le partenaire principal de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même en même poste, pour une autre demi-finale. Et si vous êtes du type gourmand, rendez-vous sur notre site Internet afin de vous procurer des billets pour l'événement de l'été, le banquet des gagnants. À la semaine prochaine! Bravo, bravo! TV, fier de faire rayonner notre communauté.